Bon matin à toutes et tous. Eh bien, pour cette semaine, j'ai pris l'oracle pour avoir un message de vos défunts. Sachez avant toute chose que vos défunts souhaitent vous transmettre leur message, répondre à vos questions, mais il est impératif que vous compreniez qu'ils ne connaissent pas le futur et qu'ils sont limités dans leurs gestes. Ils ne peuvent donc faire les choses à votre place et sont incapables d'influencer votre vie et celle des autres. Il est aussi très important, lorsque vous considérez que le message ne répond pas à votre question ou que vous ne voulez pas d'une question, eh bien n'interrogez pas le défunt d'une autre façon. Laissez passer du temps et réécoutez la carte que vous avez choisie plus tard. Vous comprendrez peut-être mieux le message. Il est aussi possible, eh bien, que le défunt à qui vous posez la question ne soit pas disponible. S'il n'est pas dans la lumière, il ne peut établir une communication avec vous et est donc dans l'impossibilité de vous répondre. Alors chaque carte est au masculin, c'est pour alléger le texte, n'est-ce pas? Mais le message peut provenir tant d'un homme que d'une femme ou même d'un enfant. Il est aussi très important de ne poser qu'une question à la fois. Soyez clair et précis ou demandez tout simplement quel message tel défunt voudrait que vous receviez présentement. Votre question ne doit pas être axée sur votre vie future. Concentrez-vous en fermant les yeux et quand vous êtes prête, prêt, eh bien posez votre question, soit à voix haute ou dans votre tête, et choisissez eh bien la carte numéro 1, la 2 ou la 3. Exemple comme question, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as retrouvé des membres de la famille? Est-ce que tu es fier de moi? Est-ce que tu vois tous les efforts que je fais dans ma vie? Es-tu heureux? Heureuse? Qu'est-ce que tu aimerais me dire aujourd'hui? Etc. etc. Eh bien voilà, soyez bien à l'aise pour poser votre question. Et encore une fois, ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Eh bien voilà, je vous retrouve dans une prochaine capsule. Et puis d'ici là, eh bien, portez-vous bien et moi je vous embrasse. À très vite. Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour le message d'un de nos défunts de ce mardi, oui, de ce mardi 6 août 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors avant de commencer, petite philosophie du matin, n'est-ce pas? Comme d'habitude, sans regret. Quand on a fait tout ce que l'on pouvait pour obtenir ou réaliser quelque chose et que l'on échoue, il n'y a rien à regretter. C'est qu'il devait en être ainsi. Je vous laisse un instant, n'est-ce pas, pour choisir votre carte, soit la numéro 1, la 2, la 3, et posez votre question dans votre tête ou tout haut, et puis choisissez. Bien, si vous avez choisi la carte numéro 1, eh bien, tu me manques. Bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi, dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin,
je pense à toi. Et aussi, tu es là. Alors, cette carte, elle est là pour vous réconforter, pour vous confirmer que vous manquez aussi à la personne décédée. Celle-ci, eh bien, elle veut vous dire qu'elle aimerait bien être encore ici avec vous, en cet instant même. Vous savez, ce n'est pas parce que l'être cher est dans une autre dimension que lui aussi ne traverse pas une période d'ennui et de nostalgie. Toutefois, eh bien, comme il vit dans un monde où cela est plus facile de comprendre, la situation est parfois moins pénible pour lui. Alors, concentrez-vous bien sur votre défunt et vous pourrez alors sentir des ondes d'énergie bénéfiques qui vous seront envoyées. Pourquoi pas de brûler une bougie en pensant à cette personne qui est décédée. Cela lui procurera l'énergie nécessaire pour poursuivre son cheminement spirituel. Je vous invite à penser à elle avec amour et compassion. Voilà pour la carte numéro 1. Si vous avez choisi la carte numéro 2, petit oiseau, as-tu remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaye d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Eh bien, une personne décédée vous révèle un signe très important pour vous signifier sa présence auprès de vous. Elle parle avec les oiseaux. Elle les apprivoise afin que ceux-ci puissent aller vers vous. Maintenant, c'est à vous de voir si un oiseau s'installe, eh bien, sur le bord de votre fenêtre ou sur la rampe de votre balcon, ou s'il y a un oiseau qui s'approche de vous. Le défunt ne prend pas la place de cet oiseau, n'est-ce pas? Il est tout simplement présent dans votre plan physique et l'oiseau, eh bien, est à son écoute, tout comme la majorité des animaux. Si vous recevez, par exemple, une lettre, une carte, si vous voyez une image, un présent, avec l'image d'un oiseau, eh bien cela peut avoir un lien avec la personne décédée. Alors moi je vous invite à ouvrir l'œil. Ouvrez l'œil. Voilà pour la carte numéro 2. Pour terminer, si vous avez choisi la carte numéro 3, sois positif. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Eh bien, la personne décédée veut vous expliquer que lorsque, eh bien, vos émotions et vos pensées sont perturbées, c'est difficile pour elle de se faire sentir par vous. De même, eh bien, si vous êtes dans un état d'esprit négatif, vous aurez de la difficulté à bien percevoir les signes autour de vous. Vous savez, tout est une question d'énergie. Les défunts
vous envoient leur message par un canal d'énergie. Mais lorsque celui-ci, eh bien, il est parasité par des émotions négatives telles que, par exemple, la colère, ou la peine, ou encore l'impuissance, ou l'impatience, eh bien, à ce moment-là, rien ne passe. Le stress et la fatigue font également partie des obstacles que vous devrez surmonter lors d'une communication avec l'au-delà. Maintenant, vous n'allez peut-être pas avoir une réponse à votre question aujourd'hui, parce que vous êtes peut-être dans cet état de colère, de peine, de négativité. Donc peut-être que ça sera bien pour vous, pour une prochaine fois, eh bien, de choisir une autre carte, et peut-être que vos vibrations seront beaucoup plus hautes et que vous serez beaucoup plus positive et que vous ne serez pas dans l'émotionnel, et bien que le message passera. Et bien voilà, on termine, n'est-ce pas, avec le petit oracle des couleurs. Et aujourd'hui, j'ai pigé bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Moi, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message de nos défunts. Et puis d'ici là, portez-vous bien et moi, je vous embrasse. À demain.